commencer la séance. On va recommencer la séance. Bon. Bon, on va recommencer la séance. Je vais présider cette séance en tant que doyen d'âge pour la communauté de communes. Normalement, ça aurait dû être Jean-Michel Payot, en l'absence de M. Olivero et M. Ferron, qui aurait dû présider cette séance. Je propose qu'on ait une petite pensée pour lui dans les médias. Ce vote à la CCVU, dans le cadre de la crise sanitaire et de la crise économique qui se profile derrière, va être extrêmement important. Donc, soyez attentifs. Donc, les règles relatives à la séance d'installation du Conseil de communauté Valais-Hubaï-Serponçon vous sont exposées dans la note qui vous a été transmise en annexe de votre convocation. Un certain formalisme est imposé par la loi. Celui-ci a été respecté, je vous demande d'en prendre acte. En ma qualité de doyen d'âge, il me revient l'honneur de procéder à son installation. Je déclare les conseillers communautaires installés, ainsi que... Donc je vais ouvrir la liste des conseillers communautaires. Alors c'est dans l'ordre alphabétique pour les communes et pour les noms. Pour Barcelonnette, Almandy Florence, Balladur Clarisse, Ortuno Miguel, Bansillon Boé Fabienne, Barnéo Christophe, Bouguillon Yvan, Vaginérico Sophie, Matera Wendy et Garnier Louis. Pour la condamine, Jacques-Élisabeth avec comme... Jacques-Élisabeth avec comme suppléant Boéry Clément. En chasserail, Olivero Albert avec comme suppléant Martin Jacques. Faucon, Garcier Richaud Hélène avec comme suppléant Jean Daniel. Josier, Fortoul Jacques, Bodiguel Chloé, Pelou Jacques. Le Lozet sur Ubaye, Cicello Manuel avec comme suppléant Hermelin Gérard. Méolance Revel, Million Rousseau Daniel avec comme suppléant Isaiah Monique. Saint-Paul, Isoard Bernard, avec comme suppléant Signoret Jean-Christophe. Saint-Pons, Ogroglic Dominique et Bardin Régine. Les Tuiles, Renaud Sandra, Ubaï Serponçon, Tron Michel et Renaud Frédéric, Uvernay Bouvet Patrick et Capelle Denis, Val de Renaille, Ferron Jean et Donour Chantal comme suppléant. Avant de procéder à l'appel des conseillers de chaque commune, permettez-moi de vous souhaiter à chacun et à chacune la bienvenue. À l'appel de votre nom, je vous remercie de lever le doigt et de répondre présent. Les suppléants représentés par un conseiller titulaire absent ce jour se manifesteront à l'appel de son nom. Les conseillers titulaires disposant d'un pouvoir le signaleront lors de l'appel du conseiller qu'ils représentent. Il est rappelé que les conseillers peuvent détenir jusqu'à deux pouvoirs. Article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Donc on va appeler à la présence des conseillers. Almandy Florence, Balladur Clarisse, Ortuno Miguel, Bansillon Boé Fabienne, Barnéo Christophe. Présent, c'est Barnaud. Barnaud. Merci. Excusez-moi. Bouguillon Yvan. Présent. Matera Wendy, présent, c'est moi qui la présente. Vaginet Sophie. Présent. Et Garnier Louis. C'est moi. Pour la condamine, Jacques Elisabeth. Présent. En chasse-rail. Olivero Albert, représenté par Martin Jacques. D'accord. Faucon. Garcier, Richaud, Hélène. Josier,
Fortoul Jacques. Présent. Bonniguel Chloé. Présent. Pelou Jacques. Présent. Le Lousa sur Ubaye. Cicello Manuel. Présent. Méolan Revel. Mignon Rousseau Daniel. Présent. Saint-Paul Isoard Bernard. Présent. Saint-Pons Ogroglic Dominique. Présent. Bardin Régine. Présent. Les Tuiles. Renaud Sandra. Présent. Ubay Serponçon. Tron Jean-Michel. Présent. Renaud Frédéric. Présent. Uvernet. Bouvet Patrick. Présent. Capel Denis. Présent. Val de Renaille. Ferron Jean. Présent. Représenté par Renaud Chantal. Bon, on peut constater que le quorum et que les conditions du quorum sont remplies, puisque apparemment tout le monde est présent et tout le monde est représenté. Je vous rappelle que jusqu'au 10 juillet 2020, la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dispose que l'organe délibérant ne délibère valablement lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent ou représenté. Donc il n'y a aucun problème puisque tout le monde est présent. Alors nous allons désigner le conseil de communauté, va désigner un conseiller assurant les fonctions de secrétaire de séance, qui est volontaire. Le plus jeune, tiens, comme d'habitude. Donc, mademoiselle Balladur. Pardon ? Clarisse. Clarisse, oui, bien sûr. Donc, mademoiselle Clarisse Balladur remplira les fonctions de secrétaire de séance. Pas d'objection ? Non. Quand vous aurez fini, monsieur Arsenault, on reprendra. Quand vous aurez fini, on reprendra. Merci. Bon, on va passer à l'élection du ou de la présidente. En ma qualité de doyen d'âge, il me revient l'honneur de conduire l'élection du ou de la présidente. Je vous donne lecture des règles relatives à cette élection. Le président est élu selon les règles fixées par l'article L2122-4 du CGPC, du Code général de la communauté territoriale. Le conseil de communauté élit son président, sa présidente, parmi ses membres au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être président s'il n'est âgé de 18 ans révolu. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Bon, alors, quels sont les candidats à la communauté de communes ? Alors, deux candidates, si je ne me trompe pas. Donc, Madame Sophie Vaginet et Madame Elisabeth Jacques. Bon, le personnel a préparé le bulletin de vote. Alors, est-ce que les candidates désirent prendre la parole ? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, il y aura une intervention de chacune votre tour. Le temps de parole sera limité à 4 minutes. Je mettrai un chronomètre en route et je vous informerai quand vos 4 minutes seront écoulées et à ce moment-là, vous pourrez conclure. J'ai mis les assesseurs. Ah oui, c'est vrai, avant de voter, il vaut mieux. Donc on va essayer. On va désigner les assesseurs. Alors, qui est volontaire pour se porter assesseur ? Il en faut deux. Madame Bardin, une autre ou un autre. Monsieur Patrick. Donc voilà. On va faire un tirage aux. Les assesseurs, quoi ? Non, excuse-moi. On demande quelqu'un d'autre. J'ai un.
Donc, et, Madame Bardin, donc, si vous voulez bien venir prendre place. Et qui d'autre serait volontaire comme assesseur? Je vais m'excuser. Moi, je t'en prie. Monsieur Velou. Vous prenez le risque de me laisser votre portable à la porte de neuf. La secrétaire de séance est en place, les deux assesseurs sont en place. On va pouvoir procéder au tirage au sort pour l'ordre de prise de parole. C'est parti. Mes chers collègues, il y a 3 ans, la fusion de la communauté de communes de la vallée du Bail et la communauté de communes du Bail-Serre-Ponçon était au cœur de nos préoccupations. Nous avons relevé avec brio ce challenge, que ce soit au niveau de l'organisation des services communautaires, qui ont intégré de nouvelles compétences, qui ont évolué et ont été modernisées, que ce soit au niveau de la gouvernance des élus, avec plus d'espace de discussion et de débat, que ce soit avec la population, au travers de réunions publiques ou encore la tenue des conseils communautaires au cœur des communes. Cette fusion a impulsé un souffle de modernité sur la CCVUSP dont nous ne pouvons que nous satisfaire. Pour illustrer un bilan rapide de ces 3 dernières années, je ne retiendrai que quelques décisions emblématiques. Le règlement du contentieux du SOZ en la faveur de la communauté de communes, même si aujourd'hui, les procédures ne sont pas finies. Le lancement de la politique de valorisation des déchets à l'échelle de la vallée, avec des résultats exceptionnels cette année, qui enregistrent une progression de plus de 27% du tri par rapport à l'année dernière. Jean-Michel, à qui je ne peux m'empêcher de penser à cet instant précis, peut être fier du travail accompli. L'étude de valorisation du site de Tournoux, avec très prochainement la réalisation, dans quelques mois, de l'aménagement de l'esplanade Pellegrin. La construction de la maison de santé, qui devrait s'achever au mois d'avril prochain. L'adhésion de la communauté de communes et du département au SMA des CEP, avec les aménagements nautiques et de loisirs qui en découlent autour du lac de Serre-Ponçon. La prise des compétences jeunesse et la maison de service au public, avec la labellisation depuis le 1er janvier dernier de la maison France Service. Ces quelques actions que nous avons décidées, et il y en a beaucoup d'autres, s'organisent et prennent forme autour du projet de territoire lac et montagne que j'avais essayé ma candidature en 2017. Si vous le décidez aujourd'hui, nous continuerons à travailler autour des 4 axes qui vont évoluer avec cette nouvelle assemblée. Autour du premier axe, avec cette identité territoriale valléenne que nous avons créée avec la fusion, le renforcement de son image, et la prise en compte des atouts environnementaux de notre territoire. Autour du deuxième axe, avec le travail sur les finances et le budget qui se poursuivra, aujourd'hui la gestion de la collectivité est saine, la communauté de communes dégage des marges d'investissement en travaillant sur l'optimisation des financements et la rationalisation des dépenses. Les résultats obtenus sur le dossier du SOZ nous permettent d'alléger les charges de la collectivité et de desserrer l'étau financier qui pèse sur elle. Autour du troisième axe, avec la solidarité territoriale communautaire et la poursuite du développement des services à la population, en continuant à travailler sur un maillage de l'offre de santé, le déploiement au plus près des habitants de la Maison France Service intercommunale, la mobilité sur le territoire avec la mise en œuvre du schéma de mobilité, l'accès au numérique et l'encouragement à l'installation des jeunes adultes dans la vallée.
Enfin, autour du dernier axe, et non le moins important, concerne le développement économique et le virage de la transition écologique que nous devons aborder. Le tourisme, qu'il nous faut plus que jamais soutenir, tout en poursuivant la diversification de notre offre. Aujourd'hui, je peux dire que notre collectivité est active, dynamique, porteuse de grands projets de développement économique, touristique et culturel. Et si je sollicite vos suffrages à cet instant, c'est tout simplement pour continuer ce qui a été commencé. Je suis persuadée que nous sommes sur le bon chemin. Certes, nous rencontrerons des embûches avec des dossiers complexes et la crise sanitaire et économique qui nous frappe. Mais nous avons également de formidables atouts. Vous êtes à 4 minutes. Notre environnement, je finis, si vous permettez. Je vous en prie. Notre environnement montagnard exceptionnel et le savoir-faire des femmes et des hommes qui entreprennent et innovent. Si je suis élue, je sais pouvoir compter sur des élus impliqués et actifs et des agents de la communauté de communes qui réalisent un travail formidable au quotidien pour mettre en musique nos décisions. Je souhaite donc apporter mes compétences et continuer le travail à vous. Je vous remercie. Je suis moins habituée au micro, je vais vous demander de m'excuser. Faire comme Madame Béginet, on va prendre le micro. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je tiens à remercier les conseillers communautaires des communes de Saint-Paul-sur-Ubaye, de Val-d'Ornaille, de Josier, de Faucon, d'Enchastraille, de Barcelonnette, d'Uvernay, de Saint-Pons, des Tuiles, de Méolan-Revel, du Lozé, du Bail-Serponçon, pour leur implication et leur dévouement au service de leur commune et de notre vallée. Nous sommes différents, pluriels, mais tellement complémentaires. Je me présente devant vous avec humilité pour vous demander votre aide. Après 2 mandats d'adjointe à la commune de Méron auprès de mon père, c'est les condaminois et condaminoises qui m'ont accordé, lors des dernières élections, leur confiance pour relever les défis qui nous attendent à la condamine. Je me présente devant vous aujourd'hui afin d'acquérir votre confiance. Une candidature comme la mienne, pour aboutir, doit faire l'unanimité. Je ne bénéficie pas d'une super représentation disproportionnée au sein de la communauté. Sans le soutien de tous, je ne suis que seule. C'est parfait. Nous ne pouvons réussir que comme ça, avec un mode de gouvernance ouvert à tous les points de vue et ouvert à tous les habitants de notre vallée. Mais ne vous trompez pas, je suis tenace, je suis déterminée. Votre projet, lorsqu'il sera abouti, sera mon projet et je le porterai avec force et conviction. Je ne veux pas d'une communauté de communes qui prive les maires de leurs initiatives, qui les cantonne à de la bobologie. Vous connaissez votre territoire. La communauté des communes doit être un lieu de synergie, de soutien, un facilitateur, un accélérateur. Oui, nous devons parler de programme. Mais moi, je vous parle de constat et d'ambition. La vallée de l'Ubaye a connu une génération d'hommes qui ne s'interdisaient pas d'être ambitieux. Nous devons maintenant relever de nouveaux défis. La neige, l'heure blanc, courbe le dos. Nous ne tournerons pas le dos vers notre tourisme hivernal, mais nous devons être innovants et rendre la neige moins indispensable. Une transition est nécessaire, mais ce n'est pas un clash. Ensemble, nous devons développer d'autres sources de revenus, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait dans leur commune. Oui, des dossiers juridiques et transactionnels sont en cours. Je les ferai aboutir. L'accueil et le maintien des familles doivent être une priorité. Nous sommes des bâtisseurs, mais ne nous oublions pas, l'humain est notre richesse. Nous devons avoir beaucoup d'ambition dans la création d'emplois. La création de pôles autour de secteurs en expansion et d'avenir doivent être mises en place. Nous devons savoir apporter un service public de qualité dans la médecine, l'accueil des jeunes, la formation. Notre vallée est une pépite, une richesse. Nous pouvons nous appuyer sur nos montagnes pour développer un tourisme d'été durable et responsable. Mais gardons bien en tête
que nous sommes aujourd'hui dans un monde de marketing et d'emballage, de présentation. Nous devons parfaitement identifier notre territoire, le rendre lisible, afin de valoriser tous les espaces en créant une offre touristique complète et unique. Nous devons aller plus vite, nous devons aller plus loin dans nos propositions Internet, dans nos offres, dans nos produits. Oui, j'aime mon pays, celui qui m'a vu grandir. Je ne peux être aujourd'hui qu'enthousiaste d'être devant vous, fille de la vallée. Vous, j'espère avoir gagné votre confiance. L'avenir de notre vallée est aujourd'hui dans l'urne qui est devant vous. Merci à tous. Merci mesdames. Donc les assesseurs sont en place. Nous allons passer aux autres. Donc je vais appeler chaque conseiller. Il fera le tour dans ce sens-là, votera et repartira dans ce sens-là. Donc, nous commençons, comme tout à l'heure, par l'ordre alphabétique des villes et des noms. Donc, j'appelle Madame Florence Almondville. Baladur Clarisse. Tono Miguel. Sillon Fabienne. Attendez deux minutes. Arnaud Christophe. Imaginez Sophie. Garnier Louis et Wendy Matera. Je voterai les deux.
Par sur le net, tout le monde est passé. Oui. On va passer à la condamnée. Elisabeth Jacques. Chasserail, donc monsieur Martin. Faucon, Madame Garcia-Hélène. Josier, Madame Bodiguer. Monsieur Fortoul. Monsieur Pelou. Monsieur Cicello pour le Lozère. Monsieur Millon Rousseau pour Mélan-Revel.
Monsieur Isoard pour Saint-Paul. Madame Bardin pour Saint-Pons. Public. Madame Renaud Sandra pour les tuiles. Renaud Frédéric pour Ubaï Serponçon. Monsieur Tronc-Jean-Michel pour Ubaï Serponçon. Monsieur Bouvet Patrick, pour Vermey. Monsieur Capel, Denis, pour Vermey. Madame Donneau pour Val de Renaille.
défis. Tout le monde a voté? Oui, a priori. Donc on va procéder au dépouillement. Monsieur le professeur. La première chose, nombre de bulletins. Donc, s'il vous plaît, comptez les bulletins. Vous voulez recompter? Hein? Vous voulez recompter? Non, alors 26. Bon, ben, on va ouvrir maintenant et le nombre de bulletins blancs ou nuls. Faites deux piles. Vagidé Rico. Bon, vas-y, on prend. Vagidé Rico. Vagidé Rico. Vagidé Rico. Vagidé Rico. Jacques Elisabeth. Jacques Elisabeth. Jacques Elisabeth. Vagidé Rico Sophie. Vagidé Rico Sophie. Jacques Elisabeth. Vagidé Rico Sophie. Deux bulletins, Vagidé, Rico, Sophie. Vagidé, Rico, Sophie. Vagidé Rico Sophie. Jacques Elisabeth. Jacques Elisabeth.
Jacques Elisabeth. Vaginet Ricourt Sophie. Vaginet Ricourt Sophie. Vaginet Ricourt Sophie. Jacques Elisabeth. Jacques Elisabeth. Vaginet Ricourt Sophie. Vaginet Ricourt Sophie. Côté, si au total vous avez 26. On conserve les butins. Oui, non, je ne sais pas, je. Oui. Ça se conserve les butins. D'accord. Bulletin blanc ou nul, 0. Attendez, une seconde. Ok. Nombre de suffrages exprimés, 26. Oui. Madame Vaginet Sophie, 17. La majorité absolue, c'était donc 14. 14, oui. Ah, suivant l'ordre. Alors, madame. Et Madame Jacques Elisabeth. Madame Jacques Elisabeth. Non. Donc, Madame Vaginet Ricourt Sophie a obtenu la majorité absolue. Et je déclare Madame Vaginet Sophie Ricourt, élue présidente de la CCVUSP. Et je lui cède ma place bien volontiers. Madame Vaginet, vous me permettrez, avant de passer votre discours d'introduction, de vous féliciter et de vous dire que votre tâche est grande et que nous comptons fortement sur vous. Aujourd'hui et qui a donné son pouvoir à Denis Cap. Très bien. Je le regrette, mais c'est votre décision. Il faudrait. Il y a le... vous... Monsieur Capel, vous avez le pouvoir de. Oui, il est là. Vous le voulez ? Ah oui. Oui, ben voilà.
Chers collègues, je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance en me portant à la présidence de la communauté de communes de la vallée du Baï-Serpenton. Avec cette nouvelle assemblée, élue pour 6 ans, je me réjouis que la parité soit quasiment atteinte. Il me semble important de souligner que nous accueillons 12 conseillères communautaires, dont 6 ont été élues maires de leur commune parmi les 13 communes que compte notre communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous un travail fructueux au service de votre commune et au sein de cette assemblée, au service des Ubaïens. Avant de poursuivre l'installation du conseil communautaire, je voudrais prendre quelques instants pour saluer la mémoire de 2 élus communautaires qui nous ont quittés récemment, Jean-Michel Payot et Michel Deloins. Je vous propose d'observer en leur mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Les premiers mois de l'année 2020 ont vu défiler des événements hors normes. Notre faculté d'adaptation nous a permis de surmonter cette période inédite de confinement qui a fragilisé notre économie. Et ce moment est pour moi l'occasion de remercier le personnel intercommunal qui a œuvré sans relâche lors de cette crise, la mise en place d'une plateforme numérique d'information, le plan de continuité des services publics, le système d'alerte à la population, l'opération Un masque pour tous les Ubaïens, la mise en place de l'aide directe à nos petites entreprises, le plan de relance de l'économie sont autant d'actions menées par la collectivité qui nous ont permis de supporter cet événement et de réenclencher la machine. Et une bonne nouvelle est tombée hier. L'action de la collectivité est saluée par une prestigieuse Marianne d'Or, qui nous sera décernée la semaine prochaine à Paris. Même si la situation est fragile, les derniers chiffres de fréquentation touristique sont bons et sur les derniers week-ends, on note une fréquentation supérieure à l'année dernière. Toutefois, la crise n'est pas derrière nous. L'incertitude sanitaire qui plane est une menace permanente dont nous devons tous avoir conscience. La crise économique nous fait craindre dans les semaines et les mois à venir des situations très complexes à gérer. Nous aurons donc besoin de consensus et de sérénité au sein de cette Assemblée pour prendre de bonnes décisions. C'est en tout cas ce que je souhaite pour cette mandature qui s'ouvre. Bienvenue à tous pour un nouveau chapitre de la communauté de communes de la vallée du Baï-Serpenton. Je vous propose quelques minutes de suspension de séance, comme ça si vous voulez vous rafraîchir, on renouvelle l'air et ensuite on réenclenche avec l'élection des vice-présidents. J'ai la température, des fois ça me donne 37-40.
J'ai apprécié que tu mettes pas un doute notre parole. Mais ça remonte à... Ouais. C'est ça, en fait. C'était dans des écrits. J'étais ici, et donc ça remonte à un certain oui, temps. Bah oui, bah, ça fait bizarre, tu sais combien là. Tu sais, là, elle me fait peur. C'est la crevette, en bonne manière. Marie, enfin, tout va bien. Mais non, c'est parce que moi, j'ai... Mais oui, mais... Ah ouais, c'est elle. C'est parce que moi, j'ai... En fait, son père m'a tout appris, c'est lui qui avait créé le district. Oui. Moi, j'ai été embauchée à l'époque, moi, j'ai travaillé à la Sainte-Anne. Mais oui, c'est lui qui... C'est lui, il m'a tout à fait, moi je suis en train de quasi-décolle. Je les avais commandés, mais il les a annulés. C'est son père et madame Marie, je pense qu'on s'en fait encore la communauté. Oui, et qui a travaillé avec la communauté, parce que tu veux, quand le district est dans le gisson, il y a un petit rail, je sais pas, on est mieux avec mon valise. Voilà, ils sont...
Oui, je vais prendre un café. Bien vous installer, on va poursuivre la séance. Alors nous allons procéder à l'installation du bureau de la communauté de communes avec une première délibération qui fixe le nombre de vice-présidents. Donc le bureau de la communauté de communes est composé donc du président et d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidences est déterminé par l'organe délibérant sans que le nombre puisse être supérieur à 20% arrondi à l'entier supérieur de l'effectif total de l'organe délibérant. Et il ne peut pas également excéder 15 vice-présidents. Donc pour la communauté de communes, ce nombre est fixé à 6 et c'est un maximum. Si on le décide, la règle peut être modifiée et l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des précédents alinéas, sans pouvoir donc dépasser 30% du propre effectif de la communauté. Donc pour la communauté de communes, ce nombre peut être donc porté à 7, maximum à la majorité des deux tiers. Donc je vais vous proposer de fixer
à 5 vice-présidences pour la communauté de communes. Donc, il faut le mettre au vote. Alors, est-ce que... Madame la Présidente, oui. Vous me permettez, est-ce que vous pouvez nous préciser combien d'élus étaient vice-présidents précédemment? Il y avait 6 vice-présidents précédemment, et je propose de baisser le nombre de vice-présidents à 5. Est-ce que vous pouvez argumenter votre décision? Alors, oui, absolument. Donc, je souhaite que les vice-présidences et que le bureau qui travaille avec moi soit sur des missions extrêmement présentes. Et donc, pour le moment, on aura la possibilité, suivant le volume de travail qu'il y a, de créer d'autres vice-présidences pour avoir d'autres vice-présidents qui auront des fonctions et des tâches définies. Donc je laisse l'occasion à l'Assemblée parce que je ne connais pas l'ensemble des élus, et donc on aura l'occasion si jamais des élus se sentent de pour mission certaines fonctions, on aura l'occasion de, on pourra en tout cas, puisqu'on ne sera pas au maximum, on pourra créer de nouveaux postes d'exécutif. Ce qui sous-entend que les commissions seront modifiées dans le même sens, c'est-à-dire une restriction ou... Ah non, pas du tout. Non, d'accord, non, ça n'a rien à voir. Donc les vice-présidents auront plus de chapeautage. Alors, pour le moment. Oui, pour l'instant, les vice-présidents ont des grosses délégations. Donc on va commencer comme ça. Et après, on va voir. Et ça permettra notamment aux nouveaux élus de pouvoir se positionner si certains ou certaines veulent se positionner sur des tâches exécutives. Voilà, donc en fait, c'est pour avoir un peu de marge de manœuvre pour les nouveaux élus. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez faire un vote à bulletin secret? Donc, je mets au vote donc la création de 5 postes de vice-président. Est-ce qu'il y a des votes contre? 2 votes contre? 3 votes contre? Monsieur Garnier, Madame Jacques. Et donc, ouais. Wendy Matera également? Oui. Donc, qui s'abstient? Donc, adopté à la majorité absolue. Nous allons maintenant procéder à l'élection des vice-présidents. Les membres du bureau sont élus selon les règles fixées par le Code général des collectivités territoriales. Le conseil de communauté élit ses vice-présidents au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Le conseil élit les différents membres du bureau sans préjuger de leur future délégation, lesquelles ne pourront être accordées que par la présidence et uniquement après leurs élections. Donc en fait, on va élire premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président, cinquième vice-président. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. Donc, je vous propose de passer aux élections du vote du premier poste de vice-président. Et je propose la candidature de Jean-Michel Tron. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je viens de le dire, les délégations sont données après. Là, on détermine l'ordre du tableau. Et donc, les délégations seront données ultérieurement. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures à la première vice-présidence? Jean-Michel? Je suis candidat. Si je peux argumenter, je peux développer. Oui. On laisse la possibilité
suis effectivement. Merci. Alors, je suis effectivement candidat à la première vice-présidence. Donc, comme chacun sait, j'ai discuté avec de nombreux élus communautaires au sujet notamment de ma candidature ou non à la présidence, le choix que je n'ai pas fait. Pour autant, mon engagement pour la vallée est total. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre puisque je n'étais conseiller communautaire que depuis 2 ans seulement, depuis l'année 2018. Je souhaite m'investir donc dans les domaines notamment du développement économique, touristique, le schéma de transition écologique avec le nouveau contrat, effectivement. Comme chacun sait, ou beaucoup en tout cas, donc je suis un enfant de la vallée de Lubaye, je suis directeur adjoint de la coopérative laitière de la vallée de Lubaye et j'y travaille maintenant depuis 20 ans, je dirige l'atelier de la Bréole, je suis ancré dans le monde agricole, économique et touristique. Depuis la fusion des communes entre la Bréole et Saint-Vincent-les-Forts, on a intégré l'intercommunalité. Le travail effectué va dans le sens du dynamisme, du développement de la vallée. Je suis un défenseur de la complémentarité de nos territoires, de cette cohérence géographique, de la proposition touristique, évidemment, avec le lac de Serre-Ponçon, les stations de montagne, les espaces randonnées et le cyclotourisme. Je travaillerai dans ce sens-là. Donc, c'est ce qui étaye un petit peu ma candidature à ce poste-là. Très bien. Donc, une seule candidature enregistrée. On va procéder au vote à bulletin secret. Donc, je fais l'appel comme précédemment. Alors, donc Sophie Vagineri. Yvan Bouguillon. Florence Almandy. Clarisse Balladur. Miguel Ortuno. Fabienne Bansiamboué. Christophe Barnot.
Amélie Garnier, qui vote également pour Madame Matera. Elisabeth Jacques. Jacques Martin. Hélène Garcier-Richaud. Jacques Fortoul. Chloé Bodiguel. Jacques Peloux. Manuel Cicello. Daniel Millon-Rousseau. Bernard Isoard.
Dominique Okroglik. Régine Bardin. Sandra Reynaud. Jean-Michel Tron. Frédéric Reynaud. Denis Capel, qui vote également pour Arnaud Gaston. Chantal de Patrick ou de non voilà alors sur le la démission d'un conseiller communautaire, je dois accepter par écrit la démission au préalable avant que le pouvoir et la représentation soient effectives, donc je ne peux pas l'écrire, enfin, je vais l'écrire, donc, mais je l'accepte et je le dis. Donc j'accepte la démission de Patrick Bouvet de l'Assemblée communautaire. Et donc, et l'installation d'Arnaud Gaston en lieu et place de Patrick Bouvet pour la commune du Vernet-Fours. Chantal Denon. Est-ce que tout le monde a voté ? Oui, donc nous pouvons procéder au dépouillement.
3, Jean-Michel. 3, Jean-Michel. Enveloppe vide. Deuxième enveloppe vide. 3, Jean-Michel. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Jean-Michel. 3, Jean-Michel. 3, Jean-Michel. 3, Jean-Michel. 3, Jean-Michel. Trois, Jean-Michel. Jean-Michel. 3, 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 Jean-Michel. Et 3, Jean-Michel. Combien il y en a eu? 26. Bulletin blanc ou nul? Je proclame Jean-Michel Tron, premier vice-président de la communauté de communes de la vallée du Bail Serponçon, élu à la majorité absolue, à 2 voix et 4 blancs. Nous passons maintenant à l'élection de la deuxième vice-présidence et je propose Jacques Fortoul. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Jacques, si tu veux. Je souhaite assumer cette responsabilité. Pardon, je souhaite assumer cette responsabilité dans la mesure où je pense que, en tant que maire de Josier, l'intermédiaire vallée doit être représentée. Je souhaite, de mon point de vue aussi, représenter quelque part également la haute vallée dans ses activités, dans ses intérêts. Personnellement, je suis plutôt destiné, ne serait-ce qu'à travers ma formation initiale et mon métier initial, au métier à la vocation de m'occuper de sujets qui traitent de la pleine nature, des activités de la nature, liées également aussi, j'imagine que je pourrais me rendre utile dans le domaine de la protection des milieux aquatiques et de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, la GEMAPI, ce qu'on appelle la GEMAPI, tout le monde entend parler de la GEMAPI. Le DICRIM aussi, on est concerné sur Josier particulièrement, donc c'est des sujets qui me... Je ne dis pas que je maîtrise particulièrement, mais enfin, j'ai été confronté à pas mal de problèmes à ce niveau sur notre commune, et je souhaite mettre ces modestes compétences, mais ces compétences au service de la communauté des communes. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons procéder aux opérations de vote. Donc Sophie Vaginet.
Florence Almandy. Clarisse Balladur. Miguel Ortuno. Fabienne Bancien-Bré. Christophe Barnot. Louis Garnier, qui a également le pouvoir de Wendy Matera. Elisabeth Jacques. Jacques Martin. Hélène Garcia-Richaud. Jacques Fortoul. Chloé Bodiguel. Jacques Peloux. Manuel Cicello.
Daniel Mignon-Rousseau. Bernard Isoard. Dominique Ogroglik. Régine Barda. Jean-Michel Tron. Capelle qui vote également pour Arnaud Gaston. Chantal Donon. Est-ce que tout le monde a voté? Donc le scrutin est clos, on procède au dépouillement.
voilà. On procède au dépouillement. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Bulletin blanc. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Bulletin blanc. Fortoul, Jacques. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Fortoul, Jacques. Bulletin blanc. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Enveloppe vide. Fortoul, Jacques. Enveloppe vide. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Enveloppe vide. Fortoul, Jacques. Fortoul, Jacques. Alors, Monsieur Jacques Fortoul est proclamé deuxième vice-président de la communauté de communes de la vallée du Bail-Serpenson avec à la majorité absolue avec 16 voix et 10 bulletins blancs. Très bien, nous continuons les opérations de vote. Donc, nous allons procéder maintenant à l'élection du troisième vice-président et je propose la candidature de Yvan Bouguillon. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Madame Okrodnik est également candidate au poste de troisième vice-président. À Barcelonnette depuis 27 ans. Je suis également élue à la
gère les finances depuis 19 ans avec rigueur. Vous avez pu peut-être le voir dans les journaux récemment, pointe d'humour parfois. Et je suis également présidente du club de ski de Tralou depuis plus de 20 ans et que je gère bien sûr depuis plus de 20 ans. Voilà, donc je pense que j'ai tout à fait les compétences pour les finances à la communauté de communes. J'ai été élue à la communauté de communes durant 4 ans à la suite de la démission de Michel Nicolaou. J'ai fait partie de la commission des finances, CLECT, appel d'offres, etc. Donc je pense que je peux tout à fait m'occuper des finances à la communauté de communes et c'est pourquoi je présente ma candidature aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je pense au travers des dernières années, des 20 dernières années que j'ai passées dans la vallée de l'Ubaye dont je suis natif, avoir développé tantôt au sein des associations dont je suis membre actif, voire président, que dans la vie publique, puisque je suis élu maintenant depuis 20 ans à la ville de Barcelonnette, sans discontinuer, je pense avoir développé des valeurs d'écoute, de dialogue qui permettent seules de dégager les consensus. Et les consensus sont les idées et les décisions qui sont les plus faciles à appliquer. Ce n'est pas à 56 ans que je vais changer ma nature et je pense que je développerai et je continuerai, ceux qui me connaissent, à développer ces valeurs. Je mets mes modestes compétences, comme Jacques, au service de la collectivité pour poursuivre un travail engagé et qui a porté déjà ses fruits depuis longtemps. J'amène ma connaissance du territoire dont je suis natif et puis la connaissance aussi du tissu des entreprises en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ancien membre fondateur et président du club des entreprises de la vallée de l'Ubaye. Je précise que bien entendu dans cette fonction, il est évident que Barcelonnette n'est pas la CCVUSP et qu'il importe de séparer les champs d'application de l'action publique. Et je suis prêt à relever tous les défis aux côtés de Sophie Vaginet. Je vous remercie. Alors, nous allons procéder aux opérations de vote. Donc, Sophie Vaginet. Yvan Bourguillon. Florence Almandy. Clarisse Balladur. Miguel Ortuno. Fabienne. Fabienne Bansion-Boué. Christophe Arnaud. Louis Garnier.
qui vote également pour Wendy Matera. Elisabeth Jacques. Jacques Martin. Hélène Cartier-Richaud. Jacques Fortoul. Chloé Bodiguel. Jacques Lux. Manuel Cicello. Daniel Millon-Rousseau. Bernard Isoard. Dominique.
Régine Bardin. Sandra Reynaud. Jean-Michel Tron. Frédéric Reynaud. Denis Capel, qui vote également pour Arnaud Gasson. Chantal Deneau. Est-ce que tout le monde a voté? Le scrutin est clos. Nous pouvons procéder au dépouillement. Dominique. Bourguillon, Yvan.
Dominique. Bourguillon, Yvan. Bourguillon, Yvan. Bourguillon, Yvan. Ocroclic, Dominique. Ocroclic, Dominique. Ocroclic, Dominique. Ocroclic, Dominique. Bourguillon, Yvan. Bourguillon, Yvan. Bourguillon, Yvan. Embla. Et Ocroclic, Dominique. Alors, je proclame Monsieur Yvan Bourguillon élu troisième vice-président de la communauté de communes de la vallée du Bail-Serre-Ponçon à la majorité absolue avec 16 voix, 9 pour Madame Ocroglic et un blanc. Nous passons à l'élection du quatrième vice-président et je propose la candidature de Daniel Millon-Rousseau. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Daniel, si tu veux... Oui, voilà, donc je suis le maire de Méolan-Revel. C'est mon deuxième mandat. Donc, au départ, j'étais un petit peu partagé, je dois dire, puisque je pensais que c'était pas bon que le maire de Barcelonnette fût le président de la ville du Bail. Mais à la réflexion, je me suis dit que Sophie avait fait un très bon travail sur 3 ans seulement, et que la logique voulait qu'elle continue son travail. Donc, je n'ai pas réfléchi très longtemps et donc j'ai pris la décision de soutenir Sophie. Voilà, donc, mon engagement là pour la communauté de communes a été assez important pendant le mandat précédent. Donc, j'ai été en 2016, j'ai proposé ici la création d'un plan de la mobilité douce. Avec l'avènement du vélo électrique. Donc à l'époque, ça avait peut-être un peu été reçu un peu pas très très chaudement. Bon, et donc maintenant, je vois que les choses se mettent en place. Et donc c'est bien. Et donc je pense que ça va continuer. Donc ma commune, c'est une commune de 13 000 hectares qui a aussi une forêt qui a à peu près 50% de la surface, dont 3700 hectares de forêt soumis au régime forestier. Et donc je suis très attaché à la forêt. Bien sûr, la forêt, c'est une source de revenus. Hein, donc c'est vraiment énergie renouvelable par essence, si j'ose dire. Et donc, il faut, je pense, qu'on continue à travailler sur la forêt, parce que je pense que la forêt n'est pas très, sur l'ensemble de la vallée, n'est pas très vraiment pris en compte. Il faudrait vraiment que sur l'ensemble de la vallée, on ait une réflexion comment arriver à gérer notre forêt. Parce que la forêt, c'est bien entendu de l'économie, avec les bois, avec les coupes, mais ce n'est pas que ça. La forêt, c'est un immense réseau de sentiers qui souvent sont fermés maintenant, des sentiers qui sont souvent très anciens, avec des murets des terrasses aussi qui ont été construites par nos ancêtres, par nos anciens, et puis qui sont maintenant, qui ont été
pris par la forêt. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Bon, la forêt, c'est aussi des endroits où c'est des endroits de cueillette, c'est des endroits de promenade, des endroits de rêverie aussi. Donc, c'est très important. Et très important pour le tourisme aussi. Donc, il faudrait faire un gros effort sur la forêt. Et puis, bien entendu, je suis très attaché aussi au patrimoine. Patrimoine notamment avec les fortifications. Parce que j'étais assez impressionné de découvrir le fort de Tournoux. Tout le travail qui a été fait, l'intelligence qui a été mise dans cette construction. Et donc, je pense qu'il est important pour les générations futures, pour celles d'aujourd'hui, mais les futures aussi, qu'on puisse conserver ces ouvrages. Ouais, c'est une mémoire très importante. Voilà. Bon, j'essaierai de continuer à travailler pour la communauté, pour l'ensemble des communes, et autant que je pourrais le faire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc, nous passons aux opérations de vote. Alors, Sophie Bé. Yvan Bouguillon. Florence Almandy. Clarisse Balladur. Miguel Ortuno. Fabienne Vincillon-Boué. Christophe Barnot. Louis Garnier qui vote également pour Wendy Matera. Elisabeth Jacques. Jacques Martin. Hélène Garcia-Richaud. Jacques Fortoul. Chloé Bodiguel.
Jacques Peloux. Manuel Cicello. Daniel Millon-Rousseau. Bernard Isoard. Régine Bardin. Pardon, excusez-moi. Dominique Okroglik. Régine Bardin. Sandra Reynaud. Jean-Michel Tron. Frédéric Reynaud. Denis Capel qui vote également pour Ardo Gaston. Chantal Donneau. Est-ce que tout le monde a voté? Donc le scrutin est clos, nous pouvons procéder au dépouillement. Thank you.
6 enveloppes trouvées dans le lieu. Moi, il n'y a pas la caisse qui était faite. Je vais le faire, regarde. Mais bon, hop, c'est bon. On dépouille. Million, Rousseau, Daniel. Million, Rousseau, Daniel. Million, Rousseau, Daniel. Million, Rousseau, Daniel. Million Rousseau Daniel. Million Rousseau Daniel. Million Rousseau Daniel. Million Rousseau Daniel. Un butin blanc. Enveloppe vide. Un butin blanc. Million Rousseau Daniel. Un butin blanc. Million Rousseau Daniel. Million Rousseau Daniel. Million Rousseau Daniel. Bulletin blanc. Million Rousseau Daniel. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Million Rousseau Daniel. Million Rousseau Daniel. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Bulletin blanc. Oui, c'est bon. Alors, monsieur Daniel Million-Rousseau est proclamé quatrième vice-président de la communauté de communes de la vallée du Bail avec à la majorité absolue des voix, avec 15 voix, 5 blancs. Ah, pardon, voilà. 11 blancs ou nuls. Voilà. Et 15, et donc 15 voix, donc élus à la majorité absolue. Alors, nous allons procéder à l'élection de la cinquième vice-présidence et je propose la candidature de Sandra Reynaud. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Madame Sandra Reynaud, je me présente mes excuses car ce n'est pas du tout orienté. Là, c'est une candidature d'une collègue que je félicite pour son élection. Mais force est de constater qu'aucun représentant n'a été proposé dans aucune des communes qui abritent une station de ski alpin et aucune concernant un espace nordique. Je le regrette et je suis contrainte de devoir me présenter contre vous. J'ai sur mon territoire également
un projet qui est le projet de Tournouse que je partage avec la commune de Saint-Paul. Et j'ai un territoire qui est clé dans toutes les décisions et les projets que vous avez pris lors de votre discours. Je ne peux pas faire autrement que me mettre à votre disposition, Madame la Présidente. Et donc, de ce fait, je vous appelle tous à soutenir ma candidature afin que soit représentée la grosse part économique actuelle de la vallée de l'Ubaye. Merci, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires. Alors, Sandra, oui. Donc moi, je propose ma candidature au service jeunesse, parce qu'effectivement, jeunesse et sociale, on n'en a pas parlé. Moi, je suis économe au centre éducatif de l'Inscudia à Barcelonnette, l'AGE. Lors de mon premier mandat, donc comme adjointe aux tuiles, nous avons créé une association jeunes et juniors pour les ados donc, sur la commune. Et il y a, on va dire, 10 ans en arrière, nous avons créé avec 3 parents l'association AP10 pour les élèves en difficulté, tout ce qui était 10. Voilà, donc. Très bien. Alors, nous allons procéder au scrutin. Donc, Sophie Vagini. Yvan Bouillon. Florence Amandi. Clarisse Balladur. Miguel Ortuno. Fabienne Bancion-Boué. Christophe Barnot. Louis Garnier qui vote également pour Wendy Matera.
Elisabeth Jacques. Jacques Martin. Hélène Garcier-Richaud. Jacques Fortou. Ah, pardon. Peut-être 10 secondes. Jacques Fortoul. Chloé Bodiguel. Jacques Peloux. Manuel Cicello. Daniel Mignon-Rousseau. Bernard Isouard. Dominique Okruglik. Régine Bardin.
Sandra Reynaud. Jacques, il faut que tu... Jean-Michel Tron. Frédéric Reynaud. Denis Capel qui vote également pour Arnaud Gaston. Madame Chantal Denot. Est-ce que tout le monde a voté? Le scrutin est clos, nous pouvons procéder au dépouillement. Jacques Elisabeth. Renaud Sandra. Jacques Elisabeth. Jacques Elisabeth. Jacques Elisabeth. Renaud Sandra.
Jacques Elisabeth. Renaud Sandra. 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 Jacques Elisabeth. On y a deux bulletins les mêmes au nom de Jacques Elisabeth. Et le dernier bulletin, Jacques Elisabeth. Alors, je proclame élue Madame Elisabeth Jacques, 5e vice-présidente de la communauté de communes de la vallée de Lubaye, avec 15 voix contre 11 pour Sandra Reynaud. Je vous remercie tous. Sandra, tu le sais, hein. Je vous remercie, c'est une sorte de réalité face à l'économie. Je porte tout simplement un sujet. Je vous remercie, j'en serai digne. Je reconnais que les voix que j'ai obtenues sont ce sujet-là, ce qui m'obligera à en être à la hauteur. Donc je vous remercie vraiment tous. Madame la Présidente, vous pouvez compter sur moi. Pas de démarche partisane. Et on va avancer ensemble pour les élus communautaires. Ne vous en inquiétez pas, je pense que nous sommes deux femmes très responsables et très conscientes des enjeux. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer, si vous voulez, les opérations de vote. Alors, avec la, on va compléter le bureau. Donc, la première mesure est de fixer le nombre des membres du bureau non vice-président. Donc là, on a élu donc président, vice-président. Maintenant, il faut qu'on fixe un nombre total de membres du bureau. Donc, comme la dernière fois, je vous propose que toutes les communes soient représentées au bureau. Et donc, je vous propose de fixer le nombre de membres du bureau non vice-président à 8 afin que toutes les communes soient représentées. Et je propose donc la candidature de Albert Olivero, la candidature de Hélène Garcier, la candidature de Manuel Cicello, la candidature de Bernard Izoar, la candidature de Dominique Okroglik, la candidature de Sandra Reynaud, la candidature de Denis Capel et la candidature de Jean Ferron. Alors, si... Oui. Donc, ce qui fixe le nombre de membres non vice-président à 8 membres, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Alors après, pour l'élection de ces membres, soit on refait la même procédure, soit on décide de voter pour la liste que je viens d'édicter à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord, à moins que quelqu'un veuille qu'on vote à bulletin secret? Donc on vote à main levée. Donc je répète les candidatures. Donc Albert Olivero pour la commune d'Anchastraille, Hélène Garcier-Richaud pour la commune de Faucon, Manuel Cicello pour le Lozé-Ubaye, Bernard Izoar pour la commune de Saint-Paul, pour la commune de Saint-Pons, Sandra Reynaud pour la commune des Tuiles, Denis Capel pour la commune du Vernet et Jean Ferron pour la commune
de Val-de-Renaille. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Donc le bureau est constitué. Alors avant de continuer, on va simplement faire la lecture de la charte de l'élu et après je vous propose une pause, comme ça il sera midi, on déjeunera sur le pouce et ensuite nous reprendrons les travaux. On va essayer de s'arrêter pas trop longtemps parce qu'il y a encore un certain nombre de délibérations à passer. Alors, la charte de l'élu, donc je vous lis les 7 points. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt, qu'il lui soit personnel, direct ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, c'est une simple communication qui n'appelle pas de vote. Je vous propose, alors pour les vice-présidents, je pense que la presse va vouloir une photo, donc je vous propose une pause. Oui, et puis il y a des petits sandwichs pour déjeuner. Et on compte une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, et ensuite on reprend nos travaux. Merci.